Les premiers travaux ont débuté en juillet 2019. Plusieurs parties du technocentre Renault de Guyancourt vont connaître une rénovation, une réorganisation des espaces de travail et une amélioration des systèmes énergétiques des infrastructures datant de 1998. Vous êtes ici donc sur la première zone qui a été curée. Donc, comme vous voyez, on enlève tout. Hein. Tout est trié par type de produit pour être envoyé en recyclage après. Donc, nous avons complètement vidé le plateau de tous ces équipements, de tous ces fluides, et tout va être remis à neuf. Ces équipements qui sont là ont quasiment 20 ans pour la plupart. Bon, des fois, on les a changés, mais sinon, en moyenne, ils ont 20 ans. Donc là, on remet tout à neuf. C'est un nouvel immeuble que l'on est en train de construire. On ne garde que la peau extérieure. Ces transformations, c'est le programme ETCR pour efficience du technocentre Renault, du nouveau mobilier, des espaces de réunion, du matériel neuf, des outils actuellement en test par des collaborateurs engagés sur cette question. C'est un bureau assis debout électrique pour que chacun puisse le régler comme il veut et travailler debout. Souvent en fin de journée, on voit que les gens se lèvent, mettent leur bureau debout et travaillent debout, ben, au plus haut, plus haut. Et tous les postes sont équipés d'écrans avec des bras multifonctions qui permettent de le mettre dans tous les sens. Au cœur de cette réflexion, lancée en 2015, le travail collaboratif à travers des espaces de travail et de détente, comme ce Working Café. Ce qu'on veut, c'est effectivement donner un maximum de confort pour tout ce qui est l'environnement physique, pour que le salarié se mette dans les meilleures conditions pour travailler. L'objectif de cette opération, c'est de décloisonner et d'améliorer la convivialité et la collaboration entre les personnes et les mettre plus dans la lumière. La fin des travaux est prévue pour 2023. À noter aussi la construction d'Odyssée, un nouveau bâtiment en bois installé sur le site.